Faut que je modifie vite fait le son. Alors. Non, c'est pas ça. Voilà. Alors, Eternite, on va bien commencer. Un peu cool, hein, un peu à la cool. Oh, qu'est-ce que c'est encore? C'est génial. Qu'est-ce qu'on va déjà me demander? Je sais pas comment c'est le live, on commence déjà à m'appeler. Oui. Prendre quoi? Elle est où? De quel côté? Voilà. Ah, attends. Elle est de quel côté? Juste quand tu ouvres la vitre là. Ok, d'accord, je m'en occupe. Ah, voilà, nickel. Attendez, je vérifie un truc. Ouais. Attendez. Ouais, c'est mieux. Bon, écoutez, 2 petites secondes. 2 petites secondes. Oui, alors je suis désolé, je dis aïe, on continue parce que j'ai vraiment mal pour le coup. Parce que je me suis blessé bêtement. Donc, Eternite, qui est un jeu pas connu, mais je me dis, j'arrête pas de sortir des jeux de mon chapeau, donc bon, je suis plus à ça près. C'est bon, on va pouvoir commencer pour Eternite. C'est un jeu qui est passé inaperçu, comme pas mal d'autres jeux, qui grosso modo parle d'une espèce d'apocalypse qui a eu lieu, il faut draguer, il faut récupérer des ressources, il faut sauver le monde, il faut draguer. Voilà. C'est un peu comme ça que je le définis. Normal, oui. Langue, bah oui, français. Japonais. Alors, ça, c'est coréen, mais bon, eux, ils ont mis... Ouais. Je connais pas l'histoire, hein, soit dit en passant complète. Je me suis dit, allez, il y a une démo, si c'est bon, je prends. Acte 1, je sais pas, ouais, au moins ça met des points sur les i. Alors, 23 mai, tout ce que je sais, voilà, ça marche sur des trucs rouges brillants. Un mec a une lance brillante. Voilà. Et un arbre veut ma mort. C'est un fruit du démon. Ok. Bon, la marche est très mécanique. La façon de tenir l'arme aussi. Je peux pas avancer. C'est lui qui décide. C'est nouveau ça. Les dialogues, c'est lui qui décide quand je peux. 23 mai, il fait nuit. 24 mai, il fait jour. Non, 28 mai, il fait jour. On a dormi pendant 3 jours. C'est normal. Le monde est soudainement devenu cubique. Non, après, je crois que c'est un petit studio qui a fait le jeu. C'est pas un truc de ouf, ouf. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter, peut-être l'acheter. Il faut lui laisser sa chance. Hein. Guild, ça a été fait par un petit studio. Hein. Leur seule erreur, c'est d'avoir misé sur Stadia, mais... Je sais pas, j'ai pas d'argument là. Ok. C'est ça. C'est la première fois de ma vie. D'habitude, en fait, on a une image figée.
Juste avec la bouche qui parle. Là, il est en mouvement en bas à gauche. Ok, maintenant, plus qu'à la description dans l'appli de rencontre. Faut mettre son nom. Ok, d'accord. J'avais mis quoi? Ah, shift, c'est ça. Ok, on est sur du QWERTY, hein, clairement. On est sur du QWERTY. On va mettre le NEDOS. À ce point? Non, on n'est pas doublé. Hein. C'est pas mal. Attends, attends, le miracle de la médecine du médicament Eternite. Ok. Le regard qu'il a, le protagoniste. Qui a fait la trad? Ce jeu est génial. Chacun pour soi. T'as l'impression, c'est Hunger Games. とても自分。あとはお前の写真を描く。心配するな。俺は。なんだ、その顔。Ah ouais, je saute, c'est animal. Les traits sont bizarres. まあいいや。とにかく Un concert d'Hatsune Miku? En général, t'es accompagné de personne quand tu fais ça. Il n'y avait pas le budget en fait pour mettre des danseuses. Le 10 juin, on est le 27 mai. Mais 50 milliards de vues, la population mondiale a vraiment été multipliée. T'as leur gueule! C'est incroyable! Et le soir, à ce moment-là, Ah, et c'est à ce moment-là qu'un alien est rentré dans ma chambre. Le film de Wes et Move. Ah! Mais je crois qu'il a sorti une vidéo il y a pas longtemps. Donc c'est un jeu plan drague, hein. J'ai pas compris le délire. Il y a un mec avec une double lame magique qui a arraché un fruit du démon d'un arbre. Et l'instant d'après, on était en mode il faut que tu dragues des meufs. Oui, alors ok, d'accord, mais faut m'expliquer. Le jeu de lumière et d'ombre est pas mal. Par contre, les mouvements, ils sont tellement chelous que ça en est à un point où je me pose des questions. Une boîte à mouchoirs. Au moins, je tais-toi, ma boîte à mouchoirs. Au moins, je peux me branler grâce à toi. Partout. C'est une vraie superstar. C'est genre la 10e publicité que je vois. On peut pas sortir par la fenêtre. Ça n'a pas été prévu. Où il cache ses pornos? Daï, tu veux faire quoi d'autre? C'est un test d'une heure, hein. C'est une démo d'une heure. Après, peut-être je prendrai, je sais pas. Pour l'instant, ça me donne pas trop envie. Enfin, c'est un peu marrant. Parce qu'ils ont vraiment la gueule des pervers dans les mangas. Il n'y a pas de soucis, t'inquiète. Après, c'est pas un jeu de fou, là. Est-ce que ce soir je me branle ou est-ce que. Ah, mon téléphone sonne. Donc, t'es en train de devenir tellement populaire, encore une.
Mais cool, elle te fait passer un test de personnalité et ensuite, en se basant sur ce test, elle te match avec quelqu'un. C'est quoi, c'est marié au premier regard? Merde, j'ai pas vu ce qu'il a écrit en bas. Okay, mais c'est quoi? C'est un simulateur de mec désespéré? Vous êtes sur le point de commencer une aventure. Quel genre de compagnon souhaitez-vous avoir? Un oiseau bleu talentueux, un lézard puissant, un raton laveur sage, un lynx débrouillard. Un lynx, j'aimerais bien. C'est Tinder, ouais. Fatigué par votre voyage, vous et votre compagnon décidez de vous reposer. Où voulez-vous passer la nuit? Une cabane douillette, un palais splendide, un abri sécurisant, un bunker pour la première nuit ensemble. Non, une cabane douillette, c'est bien. Vous, votre compagnon avait trouvé un panier qui peut créer. Mais je suis pas là pour pécho. Sorte de nourriture à partir de rien. Que faites-vous? Youpi. Attends, un panier qui peut créer toutes sortes de nourriture. Youpi, faisons la fête au fromage. Mettons fin à la famine dans le monde. Faire du profit avec. Attends, moi franchement, ouais, moyen de faire. Après, il y en a qui diront, ouais, mais du coup, on fait comment pour faire du business? Bah, vous avez qu'à vous démerder pour faire mieux. Alors que vous êtes sur le chemin. De retour, vous tombez dans une embuscade. Il s'empare du panier de votre compagnon avant de partir dans des directions différentes. Que faites-vous? Poursuivez ceux qui ont pris le panier ou poursuivez ceux qui ont pris votre compagnon? Rendez-moi mon chat! On n'a rien trouvé pour vous, désolé. Tu veux que je t'envoie des photos cochonnes? What? Non? C'est bizarre comme début. C'est un vrai. Les femmes, elles font vraiment ça sur des sites de rencontres? Mais moi, ça me semble logique. Tu ne prends pas des photos de nudes. On sort en date. What? Ça va finir en Tokyo Ghoul, il va se faire manger. Sur bar. Que j'aime les folles. Je suppose que l'application pense que j'aime les folles. Je les aime? Attendez, je m'en mets en question là. Il va trop y penser à aller dormir. Et à cet instant-là précis, un extraterrestre est arrivé dans ma chambre. Un date sur Bark, bah c'est juste que tu vas aller faire de la barque. Tu vas sur un lac. C'est tout. La transition. Et c'est là que mon bras est découpé pendant que je dormais. C'est quoi ce bordel? Mais ouais, j'ai pas compris. Et à ce moment-là. Oh, attends, on m'a mis Excalibur dans la main? What? Mais ce jeu a l'air incroyable. Il a l'air incroyable ce jeu. Simulateur de héros de Ecchi. T'as pas compris, l'instant d'avant je dormais, maintenant je combats des monstres. Pose pas de questions gamin, sors l'épée qu'il y a dans ta main. Quoi? Fais ce que je te dis. C'est vraiment, c'est ça quoi. Alors... Moi. Toujours un peu compliqué les premiers dates. Hein. T'as pas l'air oufissime. Nique des putes, ouais. Tiens, en parlant de putes, il y a un insecte. Enfin, il y a un monstre. Putain, ça a changé les dates. Fuir pour vivre. Mais non, mais. Wait, maintenant je me fais agresser par une femme avec un couteau. C'est quoi ce simulateur de date de merde? Vous allez pouvoir draguer, mais d'abord vous allez vous faire niquer vos races. Putain, mais ça aurait dû être un manga ça! Enfin, un animé!
Je sais pas, mec. Même dans les qui et tout, ça, je l'ai jamais vu. Un laboratoire, il va y avoir des zombies. C'est Resident Evil, mais avec des nibards. Après, il y a déjà des nibards dans Resident Evil, donc c'est bon. Nevada, États-Unis, ça vient toujours d'eux, les zombies. Eternite. Ah, ça, c'était le médicament pour devenir immortel. Enfin, c'est apparemment ce qu'ils ont développé, eux. Je vois pas trop comment ça marche. Au Danemark. Est-ce qu'ils cherchent l'immortalité au Danemark? Moi, je croyais déjà qu'ils vivaient longtemps. À Londres. Au Brésil. Y'a pas ton mec là-bas? Fais gaffe, hein. Le machin a l'air de transformer les femmes en des espèces de putes guerrières qui agressent les hommes. Le lendemain. Mec, j'ai rêvé que je niquais des gonzesses. Bah, c'est génial, pas dans ce sens-là. Ah, ok, d'accord. C'est bon, je suis prêt pour mon date, j'ai niqué des putes dans mon rêve. Go! Le mec, il aime les folles. La boîte de mouchoir. C'est pas le moment pour ça. Les mecs, ils savent pas le visage, rien. Au moins, c'est naturel hein, quand il va la revoir. Des fois, on a des scènes en animé. T'inquiète pas, je mords pas. C'est pas ce qu'elle disait. C'est ce que c'est pas. Tokyo Ghoul m'a appris le contraire. Hein. Les femmes mordent. Merde, elle m'a largué. Mais on dirait que ça sort d'un animé, c'est pas un animé à la base. Et là, c'est sa copine, c'est son date. Mon date est arrivé. C'est rapide, hein. Breaking news, une phéromone ultra agressive a été libérée. Mesdemoiselles, planquez-vous, les hommes deviennent dangereux. Putain, c'est vrai? C'est un excitant naturel. Notre pote qui est un peu lourd sur la drague part pour un... Lui, il a trouvé il a trouvé un bunker. Ah oui, hein, au Japon, il y en a partout, hein, shelter, il y a des bunkers partout. Au cas où la Corée déciderait de leur déclarer la guerre ou la Chine. Eh, mais son date alors? Mais il se passe quoi à la surface? C'est des mecs qui baisent? Un gigantesque mur, d'où il pouvait bien venir? On a joué aux cartes. Mais ton date! Le mec, non, on peut faire. Ça, c'est la fin du monde, mais on peut faire du pop-corn. Positivé. Bah, je sais pas, tu préférerais que ça explose de partout? Moi, je préfère quand c'est calme. Hein. Et dans mon rêve, on va me couper le deuxième bras. Breaking news. Un mur massif est apparu au milieu de... Bah, on sait pas trop, en fait, mais il est apparu, là. C'est le mur de glace. Les platistes avaient raison. Winter is coming. C'est beau, hein. Je ne sais pas quoi faire. Vous et Chani décidez de dormir un peu. C'est quoi ce nom là, Chani? En espérant que demain soit un meilleur jour. Mais ton date, mais il a abandonné son date en fait.
Une infection mystérieuse continue de se répandre à travers le globe. Nous vous rappelons que les infectés sont agressifs et qu'ils attaqueront à vue pour vous niquer. Restez à l'intérieur. Ne veux pas mourir. Du calme. Est-ce que tu bandes? C'est peut-être un signe. On ne sait jamais. Pour le tour de vous et Chani, essayez de vous distraire dans la réalité à tour de rôle. Je t'ai raconté la fois où ma main a été coupée, où j'ai dû me battre avec une épée magique qui était dedans contre des femmes hystériques. Mec, ça fait que 2 jours qu'on est dans le bunker, c'est pas le moment de délirer. Baiser, baiser. L'animation était bas de gamme. Hein. L'animation pendant la version animée était un peu mieux faite. Mais l'animation là, vraiment. Bah oui, il faut bien qu'on aille voir dehors. Tu penses qu'on est les seuls survivants restants? Bon, la dernière fois, arrête de parler de ça. On vient juste d'un journaliste se faire manger. Un journaliste qui s'est fait manger? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ne serait-ce qu'un jour sans que tu parles de mourir? Alors du coup, ce que j'ai compris, son date c'est mort, hein. Et le monde a été envahi par des zombies qui veulent baiser. Enfin à peu près, je vois ça comme ça. Quand tu étais à la télé, et en gros on est dans un bunker maintenant. Ça a vite virillé, hein. Ok, je vais autour du refuge à la recherche de mon ami. Quoi, oublie ton ami. Elle est probablement morte elle aussi. Elle n'a pas pu atteindre le refuge. C'est devenu Resident Evil, mais très vite. Tu peux rester ici. Donc nous on est un peu courageux, on va dehors pour voir ce qui se passe. Elle, elle est un peu courageuse, elle va dehors pour voir ce qui se passe. Et une grande histoire d'amour va naître, je suppose. En vrai, posez-vous la question. Vous êtes 2 mecs, 2 filles coincés dans un bunker. Vous pouvez pas sortir. Vous restez des jours et des jours. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous mettez pas à nouer des liens et à en arriver à un stade où vous baisez? C'est une vraie question là que je pose. Franchement. Bah, en même temps, tu veux faire quoi? La course, elle est vraiment... Je comprends pourquoi ils n'ont pas fait de pub pour le jeu. La course, elle est vraiment mais mécanique, machinale à un point. J'entendais pas. Mais est-ce que tu as entendu des nibards rebondir? Parce que ça peut être un signe. Ah non, c'est nous. Mais vous n'allez pas me dire que genre tout le monde a disparu? C'est quoi ce virus là qui a transformé tout le monde en des putains de baiseurs? Mon ami, tu entends quelque chose? Si j'entends quelque chose. Écoute, si j'entends quelque chose, tu vas me servir de bouclier humain. Comment il court lui? J'entends des nibards rebondir. Ça veut dire que c'est des filles. Ah, le truc classique de Etchi, hein. Ils vont se percuter. C'est pas la chanteuse de J-pop, elle? C'est incroyable, tes lunettes sont pas tombées. Elles doivent être très bien fixées. Hein. Il y a un masque, hein. On sait que c'est pendant la crise du Covid. Déjà, on a ça. Tête éteinte. Ah, c'est pas grave si tu lagues un peu trop, Yuki, t'inquiète. M'énerve le truc du jeu. Yuna, t'es Yuna, on est dans SAO? Je suis Mademoiselle Front en acier. What? Ça sert à rien de mentir, non? On est resté, on est prisonnière avec une star de J-pop dans un bunker. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Moi, je vois le Moichi commencer un peu à vriller, hein, et partir vers du H. Peu importe qui elle est, on va bientôt tous mourir. N'aide pas, Lina. Qu'est-ce que tu fais alors? T'es la pop star, fais quelque chose. Tu veux qu'elle fasse quoi contre une invasion de zombies? Elle va chanter? Vous avez d'autres survivants? Non, juste nous deux. Il y en a 4 qui ont survécu. Va falloir repeupler le monde après au Japon. Enfin, le Japon en tout cas. Je m'appelle Shani et c'est mon ami Leonidas. Ouais. Tu saignes. Bah voilà, ça fait spartiate. Ouais, elle a été dure. Acceptation plus 1. What?
Selon les réponses que vous choisirez, vous augmenterez vos stats sociales différentes. Elles vous permettront d'approfondir vos relations. Mais c'est quoi cette technique de drague? T'as un front ultra dur quand même, hein. C'est un compliment, une insulte? Putain, mais lui, sa gueule. Annie, je voudrais crever un œil plutôt que d'aller voir ça. Il essaye de la draguer en me rabaissant. Ah ouais! Mais c'est pas le moment de demander un selfie! Avec des longs cheveux noirs et un grain de beauté sur son œil gauche. Yajizo, la reine des fêtes, elle est là aussi. Hein, on risque notre vie pour s'être dégénéré. Attention, le refuge a été corrompu. Veuillez vous déplacer en B15. B15, c'est quelle salle de la fac ça, Yuki? B15. On y arrivera plus tard, on doit bouger. Qu'est-ce que vous appelez corrompu? Je pige rien, moi. Au début du jeu, il y a un mec qui ramasse un fruit du démon et après, je comprends plus rien. Pourquoi il y a ma barre de vie? B1. Bon, ma B15, va falloir marcher. Hein. B3, je sais pas comment ça marche. C'est quoi ce truc? On va tous mourir, Lina, et si on essaie plutôt de survivre. Ouais, c'est bien ça. Inclinez sur le deuxième pour faire marcher. Ah, elle est trop conne pour nous calculer. Ah oui. On a réussi. C'est facile, en espérant que le reste soit aussi. Ça va. Ok. Pourquoi elle prend une pause de Power Rangers? B7. Ah. Ah! Me casse les os vers ton casque? Moi, écoute, là, je suis en mode vraiment survivre. Il y a trop de femmes zombies dans ce jeu. Faut que je trouve la B15, la B15. J'ai l'impression d'être à la fac. Où c'est cette putain de B15? Ces gens n'ont pas l'air infectés. Pourquoi ils ont tous le bras coupé? Ah, j'ai la cause sur mon PC. Ah! C'est bon, t'as de la cause sur le PC? Tout le monde est mort, ils ont tous été branlés à mort? Ces pauvres gens. Quel genre de malade coupe le bras d'une personne? Ah, on m'avait coupé le bras dans un rêve. C'est peut-être ça? Ils sont tous morts avec un bras en moins. Non, ça c'est trop dangereux ça. Non, ça c'est dangereux aussi. Je fais comment moi? Je vais où? Subway, c'est pas le moment. Oui, j'ai par où, bordel? Je vais où? Y a pas de map? Mais je m'en fous de mes stats sociales. Sortie, mais je peux pas sortir. Ah, en fait, fallait aller vers le méchant. Et pourtant, en plus, le jeu est drôle. Il est drôle. Doit protéger. C'est la police? Monsieur l'agent? Il y a des femmes qui me sautent dessus. Et j'ai du sang sur le visage. À cause de cette folle. Mais dis, t'as pas l'air louche? Bah oui, il va t'aider, lui. Ah putain! Oh putain! Il l'a éventré! What? What? Pour sprinter. Ah ouais, non, mais là, sprinter comme si votre vie en dépendait là. Vite! Enfin, votre vie en dépend en fait. Techniquement. Je sais pas où on va, mais on y va. Moi, je suis le blondinet devant. Ouais, maintenant, c'est moi qui suis devant. J'ai rien compris. Tu sais, il a éventré comme ça. Ça a vrillé très vite en seinen.
Dans ses casiers, bah ouais, il nous trouvait à trois dedans, bah oui. Se cacher, bah avec Yuna, quitte à devoir se cacher, autant se cacher avec des nibards. Hein. Je vais pas rester collé à une queue pendant je sais pas combien de temps, c'est mort. Il vous reste 30 minutes sur votre essai. Bon, c'est pas oufissime pour l'instant. Pourquoi ses cheveux sont devenus noirs? Il ne répond pas. Bon, leur bouche, c'est pas oufissime. Hein. Retiens ta respiration. Évite de bander. Vraiment, c'est pour la survie là, faut pas bander. Appuie sur le carré quand le cercle atteint la zone colorée. Quand le cercle extérieur atteint la zone colorée. Attends, what? Il y a des QTE? Et moi aussi. C'est-à-dire moi aussi. Attends. Sortons d'ici. J'ai pas compris, ça a vrillé vite. Tu vas bien? Je lui avais pourtant dit de se calmer, je lui avais dit bordel. Ah ouais, s'est fait éventrer sa copine. Hein. Violemment. Putain, la gueule qu'ils ont. Mais il n'y a qu'un seul mec qui a bossé sur le développement, c'est pas possible. Tu es toujours blessé. Je suis pas un monstre, d'accord? Une énergie verte apparaît dans sa main. Vous ressentez la cicatrice sur votre tête se refermer. Elle a une Apple Watch intégrée à la main? Alors comment tu te trouves? J'ai rencontré cette étrange femme. Moi aussi j'en ai rencontré des femmes étranges. Mais pas ces femmes-là. Dans mes rêves, Shani. Et quand je me suis réveillé, j'avais ce pouvoir. Attends, dans tes rêves, comment? Moi aussi j'ai fait un rêve. On m'a coupé une main et après j'avais une épée. Il y a un flic qui course quand même, deux mecs et une nana. Mais 15, on y est presque. Bizarrement, les lumières s'éteignent d'un coup. B15, on y est! Un drone pour livrer des pizzas? Madame drone, vous? On est poursuivi par un flic enragé. Je suis là pour vous faire évacuer, veuillez me suivre. J'ai juste une chose. Est-ce que Zizo Han est dans ce refuge? Mes excuses, son nom n'est pas dans le registre. Cependant, le système est instable pour le moment. Il est possible qu'elle se trouve dans un autre refuge. Nous devons absolument rejoindre le train dehors. Maintenant, je vous prie. Oui, on vous suit. Madame le drone. Ok. On genre les drones. Mais le drone, il peut pas nous protéger, il n'est pas équipé d'armes. J'ai une impression de déjà vu, moi. C'est bon, le mec, il a une tête éclatée. Waouh, ouais, c'est un peu flippant quand même. Putain, la gueule de la gonzesse à droite. Waouh, il y a de l'inspiration, mine de rien. Fuck les devoirs. Ah, Sasuke. Ah non, 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 c'est Tsunade, avec une épée. Super joli les yeux. What? Pourquoi elle a pas les mains attachées, elle? Qu'est-ce qu'il y a? Ça sauvegarde beaucoup. Hein. Arrête de te débattre, ça va juste compliquer les choses pour tout le monde. Ouais, commencer par Teki. Enfin, je t'ai trouvé. C'est elle mon date. What? Ah donc on revit la scène. Je rappelle qu'à la base le jeu commençait sur une histoire de date. Hein. Le mec il finit avec un bras en moins. On en parle? Ah, mon date est là. C'est bon, on est sur la barque. Tu vois, je t'avais dit que les barques sont super. Dieu? Un date sur barque.
Tu ressens l'amour dans l'air. Non, non, j'ai peur. On dégueule. Ah non, mais on dégueule, pas possible. Bébé. J'ai eu le bras coupé. Bah, en fait, t'as le bras coupé tout court. Oui, tu as perdu ton bras, mais peu importe, tu es en date. Tu en as rien à foutre maintenant, t'es en train de draguer. Je suis super excité. Le dernier date que j'avais fait remonte à 800 ans. What? Vous êtes la dame de l'application de rencontre? Pour une femme de 800 ans, ça va, hein? Mais c'est ma photo de profil, non? Je sais pas, je vois pas le visage. J'ai toujours envie. Je veux dire, tout juste envie. La vilaine petite fille. Elle a vraiment pensé que couper ton bras allait m'arrêter? Je veux dire, félicitations, tu as été choisie pour perdre mon bras? Ah non, mais pour faire... Ah mais si tu l'exposes, après faudra en acheter un autre. Non, non, non. En fait, peut-être, passons. Tu as été choisi pour rejoindre mon équipe. Voici les avantages. Survie, pouvoir illimité, avoir à battre une entité super puissante. Une quoi? T'inquiète pas pour ça, tu veux pas être le héros qui sauve le monde? Qui souffre énormément et qui obtient une parade à la fin. Une quoi? Et maintenant quoi? Maintenant, je vais mettre une épée magique dans ton bras coupé. Une pomme? C'est Eve? Putain, elle a changé. Waouh! On met des pommes dans le ventre des gens? Non, mais attendez, on m'avait dit un date sur une barque. Mais c'est quoi du coup? C'est l'arbre, il y a le jardin d'Éden, une pomme. J'ai dragué la femme d'Adam? C'est chaud là, hein? C'est peut-être aussi la qualité. Attends, il y a un truc que je vais faire. Il y a aussi la qualité en fait des fois qui joue sur les lives. Pour le prochain live, je vais peut-être un peu réduire la qualité. Ça diminuera ça diminuera le lag. Lieu d'un concert. Ah, c'est vrai que normalement le 10 juin il y avait un concert à la base. C'est voilà un nouveau bras. Mais ça, les dents, c'est comme les dents, ça repousse les bras une fois coupé. Le, en plus c'est le bras droit, hein, le bras armé de Dieu. Pourquoi elle a reculé? Vous êtes pas mort vous? Qu'est-ce que j'ai fait pour... Attends, ça me semble familier. Bah oui, ça te semble familier. T'as vécu ça déjà? Ouais, ouais. Mais je vais pas avoir le même combo constamment, c'est chiant. C'est super chiant. Elle ne fait que t'utiliser. Bah vous faites tout ça en fait en ce moment. Elle utilise les gens. Et c'est elle qui a tué tous ces gens dans le métro en fait. Putain, il a des cristaux à la place des couilles. C'est particulier ça quand même, hein. Un boss, génial. Attaque élémentaire. En lançant une attaque élémentaire, vous pouvez briser la barrière ennemie. Pour pouvoir utiliser la barrière élémentaire, ils attaquent ou des esquives parfaites. L2. Hein? La lumière. Non mais t'inquiète, pour le prochain jeu, de manière il nous reste pas beaucoup à mon avis à faire. Parce que... Parce que c'est une démo.
Mais il n'y a qu'une attaque à marteler, c'est chiant. Ah. C'est super chiant. Ah. Chiant en fait, il y a que l'humour à la limite, mais ça sauve pas un jeu l'humour. Genre de merde, c'est grand mort, du calme. Après, je veux diminuer la qualité justement pour permettre aux personnes qui ont des, par exemple, qui ont des problèmes de co, ça arrive, hein, on ne peut rien. Mais il est spécial ce jeu. Hein. Ah, maintenant que tu m'as coupé ce bras, je suis devenu un héros de Ecchi. Ah mon dieu, elle se fait enlever par le scénario. Ah, Dieu a parlé. Retourne vers moi, Delia. Umbra, tout de suite. Oui, non. Umbra Academy? Hey mec, pourquoi mon bras brille? Dieu est de retour. C'était quoi ça? Oui, voilà. Expression plus 1. Calme-toi. Écoute, je sais que l'intégration peut être rude, mais tu en as sorti comme un pro. Bon, voilà le vrai travail que j'ai besoin que tu fasses. Tu vois cet arbre moche, répugnant? C'est Umbra. Sa taupe y est entrée et a volé la pierre. La pierre est la source de toutes les choses. Je l'ai utilisée plutôt bien, si je peux me permettre, et tu en es le résultat. Maintenant, Umbra veut éveiller la pierre et l'utiliser pour gâcher notre plaisir. On ne peut sous aucune condition laisser cela arriver. Bah oui, après il n'y aura plus de date, on pourra plus baiser. Ça arrive, tout ce que tu connais va changer. Bien. Changer comment? Umbra et moi sommes des architectes de l'esprit et de l'âme humaine. L'humanité ne peut avoir que l'une d'entre nous éveillée à la fois. Comment nous décidons de qui reste éveillé et qui sommeille? Eh bien, si la pierre est utilisée par un architecte, ça peut forcer un autre architecte à dormir. Et si je m'endors, toutes les choses et toutes les personnes que tu connais vont changer. J'aime ce que nous sommes, alors tu vas m'aider à arrêter en récupérant la pierre pour moi. Malheureusement, elle a érigé des murs entre nous et la pierre. Elle est pas conne, hein? Ah, elle a mis une flèche en haut rouge au cas où t'es con. Tu vois ce déprimant tout petit point? C'est toi. Vous êtes un peu méchante. Rendez-le plus grand. The way. Confiance, rendez-le plus grand. J'ai vu ton point, mon pote. J'ai mis mon pouvoir dans ton bras. Prends-le et amène-le derrière les murs et vite. Parce que on n'a pas beaucoup de temps. Combien de temps? T'inquiète pas pour ça. Combien de temps? Dis, ne pas t'inquiéter. Combien de temps? Ferme-la et concentre-toi et franchir le mur, bordel. Les dialogues sont magnifiques. Et ne me déçois pas. Hein. Les dialogues sont magnifiques. Les dialogues, ils sont goldés. Trophée obtenu, nouveau bras. Ah bah oui, hein, j'ai peut-être perdu toute ma famille, mais j'ai gagné un bras qui brille. Viens plus près. Tu te souviens du porno qu'on a volé à ton grand-père? Du porno qu'on a oublié et qu'on a volé à ton grand-père. Courage, poussin. Mec, on lui a volé beaucoup de porno. Tu dois être plus précis. Le sale, le vintage, l'animé. Le sale. Oh, tu veux dire celui-là? Tu les as jetés, hein? Non. Mec, parle-moi fort. Les gars, je vais tous les brûler, t'inquiète. Je supprimerai ton historique, t'inquiète pas. Mais d'abord, faut se barrer, en fait. Ok, j'en ai marre de vous écouter, bande de pervers. Vous réalisez que vous n'êtes pas autant blessé que vous ne le pensiez. Vous vous levez et défroissez vos vêtements, c'est gênant. Oui, on y va. Mais en fait, l'humour marche bien.
Vraiment, c'est un humour bien fait. Mais en fait, l'animation est pas ouf. Trophée obtenu. Ah non, il vous reste 15 minutes d'essai. Ah, je pense pas que je le prendrai en neuf, à mon avis. De ce que j'en ai vu là. Mais ils arrivent à ériger des barrières maintenant. Mais laissez-moi me battre, oh! Comment tu fais pour être si bon à ça? Qui es-tu? Un héros de Ecchi? Très doué avec sa main. Même comment l'arme est positionnée dans la main, c'est pas terrible. Merde, le train! Je me fais attaquer par un mec avec une valise! Sinon, si vous pouviez m'aider, ça serait bien quand même. Si vous pouviez m'aider un peu, game over. Si vous pouviez m'aider... Alors déjà je suis pas aidé à la base, mais alors là... Et je me fais attaquer à distance quoi. Il y en a 10 sur moi. Aidez-moi. Aidez-moi, je sais pas moi. Salut, alors attendez, j'essaye de comprendre là, je suis sur un jeu où il faut... A la base c'était un jeu de date, mais il y a un truc qui a mal tourné en fait, et du coup on est devenu une invasion de zombies... Enfin c'est compliqué en fait, c'est un Ichi, c'est des zombies, c'est compliqué. Comment tu fais pour être si bon à ça? Des années et des années à pratiquer ma main droite. Ah oui, alors du coup la mise à jour, j'ai même pas fait la deuxième, je la ferai ce soir à mon avis. Parce que du coup j'ai réinstallé le jeu, mais il faut que je passe la mise à jour. En gros c'est un jeu qui a peu de personnes à mon avis en ont entendu parler, qui s'appelle Eternite, qui en gros à la base fallait juste essayer de s'inscrire sur un site de rencontre. Après on a matché avec Dieu, qui quand on s'est fait couper la main, enfin le bras, nous a donné un bras de rechange qui se change en épée pour combattre des zombies afin de protéger une idole de J-pop. C'est même pas une blague. Trophée obtenu, échappé du refuge. Je voulais au moins une fois vous le montrer, parce que comme guild, j'ai essayé, enfin non, je l'ai acheté direct et je voulais montrer, là il y avait une démo, donc bon. Ouais non, le scénario est chelou, hein. Le scénario est vraiment chelou. Et mon bras, il brille toujours, hein. Ouais, et du coup, t'as supprimé mon historique. Parce que tout à l'heure, ça parlait de se débarrasser, de brûler tous les pornos qu'on avait volés au grand-père du blond, là. Mais l'historique, vous y avez pensé un peu? Les animations faciales, elles sont dégueulasses, par contre. Autant des fois, il y a des scènes animées qui sont classes, autant les animations faciales. Les infectés, le mur, SNK. Toutes ces personnes qui meurent. Et on en parle de ton bras, Léonidas. Tu ressens une différence? Une sensation de lourdeur, une sensation de puissance, une sensation d'être connecté. Après s'être branlé un millier de fois, il a eu son bras qui s'est mis à luire. Tu vois en bras autre chose qu'une épée. Invoquer un bras carotte, invoquer un bras parapluie, invoquer un bras épée. Un bras parapluie? C'est sa bite ça! C'est pas un parapluie? Comme si ton bras montrait qui tu es vraiment, Leonidas. Mais c'est une queue, putain, mais... Ça le dégénéré. Et lui, il a les yeux, les étoiles dans les yeux. Incroyable! Il a un braquemar au bout de la main. Au bout du bras. Tu saignes encore? Ouais, bah en même temps, vous m'avez pas beaucoup aidé. Hein.
tout en gardant ses distances avec la tentacule. Ouais, c'est ça. En faisant ah, c'est ça. Yona pose sa main sur votre visage. Une lumière verte remplit la pièce. Transformation Super Sentai. Power Rangers Rose. Si vous voulez mon bras aussi. Probablement. Elle avait l'air d'être après le bras de tout le monde. Donc je pense qu'on a eu de la chance. Zizo n'était pas là. Oui, mais j'aimerais juste savoir. Tu peux, s'il te plaît, récupérer ton bras là? On devrait demander à Madame Drone quand elle revient. Madame Drone, ah oui. Vous sentez que vos paupières sont lourdes. Trop fatiguées, allons dormir. Bonne idée. Moi aussi j'ai besoin de repos. Ton bras, putain. Et il a eu un date avec Dieu. Ça, c'est balèze. Bien sûr, son bras est tactile. Hein. Salut, c'est Dieu. Oui, Dieu a des gros seins. Pourquoi tu dors pas? J'arrive pas à dormir. Et vous, pourquoi vous ne dormez pas? J'arrive pas à dormir. Ouais, on peut tchatcher avec Dieu. Tu dois dormir si tu veux devenir grand et fort. Comment dois-je vous appeler? Étant donné que je fais partie de chaque personne, je n'aime pas de nom. Mais tu peux m'appeler Lux. Comme la luxure. Non, Lux, ça veut dire lumière en latin. Je peux t'appeler maman. Ton date. Attendez, j'ai envie d'essayer. Vous avez été déconnecté. Les dialogues sont géniaux. Je suis partagé parce que les dialogues sont incroyables. Les animations sont nulles à chier. Alors, Yuna, oh, ils veulent se servir de mes réseaux sociaux pour répandre une information. Des morts partout. Transfert des données en cours. Il ne faut pas donner son historique. Combien de fois on te l'a dit? Voilà, vous avez signé l'accord. Maintenant, vous devez vous mettre en mini-jupe ou en bikini. À vous de voir. On est dans un train date, en fait. Non, mais t'inquiète, au prochain jeu, c'est bientôt fini de manière à la période d'essai. Là. Je vais baisser un peu la qualité de l'image pour que ce soit mieux pour vous. C'est juste. Ok, c'est ok. Voilà, voilà. C'est la fin du monde, a-t-on le droit d'être égoïste, Leonidas? Oui. Et si tout le monde était égoïste? Ça s'appelle la fin du monde. Bien sûr que tout le monde est égoïste. À parler à ton ami. Ça, c'est quand tu te fais friendzoner. Voilà, je vous donne un conseil. Quand vous vous faites friendzoner, en général, ça ressemble à ça. D'habitude, c'est des images figées qui mettent les gens... Yop, attends. Kane, là, ce jeu est incroyable. Il est nul au niveau de l'animation, mais c'est un niveau... Alors en gros, on joue un mec qui à la base devait avoir un date, mais en fait il s'est pas rendu compte qu'il a eu un date avec Dieu. Et en fait, il y a eu une invasion de zombies à cause de la libération d'un agent virus bizarre qui fait que tout le monde s'est transformé en des espèces de chauds du lit, enfin des chauds lapins agressifs. Et en fait, à un moment donné, on rencontre une fille qui apparaît avec une double lame qui nous coupe le bras pour qu'ensuite on se retrouve avec la fille de notre date qui se trouve en fait être Dieu et qui nous a doté du pouvoir de faire apparaître une épée à la place de sa main coupée. Il peut aussi la transformer en tentacule. Tant qu'on est en vie, qui sait ce qui peut nous arriver? Je crois que je connais même pas un Ichi aussi explosif que ça. Scénario de fou. Oh, oui. Cliquez ici pour réclamer votre super pouvoir tout puissant. Ah oui, évidemment. Théo, Kane. Bah oui, évidemment. Et du coup, on doit draguer aussi, parce que c'est la fin du monde, mais rien n'empêche de draguer. Bien dormi. Tu ronfles d'ailleurs autant que j'ai pu. Mais tu peux éteindre ton bras. C'est compliqué la nuit de dormir avec un bras qui brille. Il y a quelque chose à faire dans ce train. Regarde par la fenêtre, on pourrait discuter, oui, déjà. Ah oui, et un train de luxe nous a emmené loin.
De quoi tient le coup? Qu'est-ce que tu manges d'habitude au petit déjeuner? Très bonne question, tu manges quoi au petit déjeuner? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on va plus vite? Putain, leur gueule, d'habitude c'est. Il vous reste 5 minutes. T'as 5 minutes pour baiser à la période de démo, elle s'arrête dans 5 minutes. Je pense pas que je vais l'acheter. En tout cas, j'achèterai pas à un prix élevé. Je trouverai pas l'intérêt parce que je suis désolé, mais en fait, le gameplay est rigide. Mais très rigide en fait. Autant, par contre, l'humour est là. En fait, il faut prendre la personne qui a fait l'humour et le scénario. Il faut dégager l'équipe technique. D'habitude, c'est l'inverse. Debout, réveille-toi, tu peux pas mourir, puceau. T'es en vie. Attends, je vais te traîner. Tu peux pas transformer ton bras en tentacule et te tirer toi-même? Attends. Shani est par là. Ok. Non mec, donne-moi l'autre main s'il te plaît. Elle peut changer en tentacule celle-là. Qu'est-ce qu'il a hein? J'ai rien compris. En fait, la mise en scène, elle est foireuse. J'ai pas vu aussi foireux depuis très longtemps. Tout le monde va bien? Ouais. Mieux que le train. Tu penses que tu vas mieux que le train parce que tu as des pouvoirs? Shani, on a tous mieux que le train, on y va. Oh, tous mieux que le train. L'intérieur du mur est bizarre. Faisons attention et essayons de ne rien toucher. Mais je veux. Continuons juste. Bon, j'ai pas besoin de. Alors. En fait, regardez. C'est à peu près tout ce que je peux faire. C'est pas, ça ne vaut pas, ça vaut pas la peine que je mette en fait. Alors il y a les stats sociales, il y a des tas de trucs, je veux bien, mais non, c'est pas ça du tout. Je pense que je vais pas le prendre. Je suis désolé pour les devs, hein, je le prendrai peut-être en. Dans un jeu où ton bras peut se changer en tentacule, bah oui, évidemment qu'on va toucher des trucs. Je suis désolé, je vais pas le prendre. Toi, au prix cash. Je. Vraiment, non. Au prix cash, non. Non, 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 non. Ça vaudrait pas le coup s'il tombait peut-être à 15-20 balles, ouais, mais pas à 30. Donc on va s'arrêter. Alors nous, vu qu'on va s'arrêter là, à cause de cette putain. Justement, on va régler le problème, Yuki. Est-ce que vous voulez qu'on fasse ce qu'on peut faire? Soit on fait. Alors il y a le choix entre la fin B de Nier Replicant, Guilt, Catherine Full Body, où en gros dans Catherine en gros on joue un jeune homme qui a vraiment pas de chance parce qu'en fait une blonde sexy veut sa mort dans ses rêves alors qu'il est lui-même en couple et qu'il rencontre une jeune fille très jeune, enfin c'est what the fuck à l'extrême. Sinon il y a donc Until Dawn, l'analyse. Je vous assure qu'avec moi, Until Dawn ne devient plus du tout terrifiant. Moi, les jeux d'horreur ne deviennent plus. Il y a que Guilt, j'arrive pas à faire de l'humour, mais Until Dawn, franchement, je peux vous le tourner en dérision à mort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai Tales of Arise, le dernier des Tales of. Wolfenstein, où on joue un mec en fauteuil roulant qui bute des nazis. Je vous jure que c'est vrai. Je peux vous faire essayer si vous êtes intéressé par un jeu indé, pas très connu, qui s'appelle Potion Permit. Qui est un petit jeu indé qui a pas trop eu de succès en fait, globalement. Enfin, pas eu de succès, on en a pas beaucoup parlé. Faites vos jeux, allez-y. Ah putain, quand j'ai dit faites vos jeux, ça a lancé la sélection par caméra, par micro pour choisir un jeu. Allez-y, choisissez, moi je prends. Donc. Alors, sinon, ouais, Persona 4, Persona 5, Catherine, Potion Permit m'intrigue. Bah, Potion Permit, on va le faire vite fait. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Ça sera pas long. Non, mais t'inquiète, Yuki, tu vas voir. Bon, on se retrouve sur Potion Permit. Il y aura du coup pas d'épisode 2 à ce jeu-là. Hein.